Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'aider l'écosystème. On se lave les dents tous les jours. On devrait, du moins. Et quand on se lave les dents, on laisse le robinet ouvert. On gaspille des litres et des litres d'eau pour rien. Voici une astuce. Fermer le robinet, c'est un geste très simple qui permet de rendre le monde meilleur et plus durable. C'est ça, les enfants. Génial! C'est en faisant des petits changements dans notre quotidien qu'on aidera notre planète. Sauvons l'environnement ensemble! Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'économiser de l'eau. Quand nos parents lavent leur voiture, ils gaspillent de l'eau sans arrêt. Et très souvent, ce n'est pas nécessaire. Dites donc, arrêtez ce gâchis! Cette consommation abusive d'eau est très mauvaise pour l'écosystème. Regardez ce que ça fait au lac. Les animaux de cet habitat subissent les conséquences de ce gaspillage. Mais comme toujours, on peut faire les choses de manière plus écologique. N'est-ce pas, Kit? Si on remplit un seau, pas la peine de laisser le tuyau ouvert pendant qu'on lave la voiture. Comme ça, on ne gaspille pas d'eau. Au boulot, papa et maman. Vous voyez, c'est un geste très simple qui permet de faire de la planète un endroit beaucoup plus durable. Rappelez-le à vos parents la prochaine fois que vous irez laver la voiture avec eux. Sauvons l'environnement ensemble. Eh ben dis donc, tu avais soif. On dirait que Kit veut nous parler de quelque chose d'important. Oui, d'une nouvelle façon de protéger l'écosystème. Ça intéressera toute la famille. Les pique-niques, c'est génial. Et bien évidemment, quand on a fini de manger, il faut tout ramasser. Regardez-moi tous ces déchets en plastique. Le plastique est très mauvais pour la planète, surtout s'il n'est pas recyclé. Mais on peut le réutiliser pour lui donner vie à nouveau. Les bouteilles en plastique peuvent être transformées en une superbe pépinière. Et pourquoi ne pas faire de ces fourchettes une palissade pour notre potager? Les couverts en plastique sont aussi parfaits pour nous rappeler ce qu'on a planté. Il y a plein de façons de réutiliser des objets en plastique. Vous en apprendrez sûrement d'autres. Super, les amis. Sauvons l'environnement ensemble. Monkey et Kaki jouent avec Slim. Et le docteur Spooky les espionne. Qu'est-ce qu'il mijote encore? Un bol, un pot de colle, un mortier, du détergent et un étrange ingrédient vert. Le docteur Spooky fabrique Slim. On dirait plutôt une crotte de nez. Oups, on dirait plutôt qu'il a oublié quelque chose. Qu'est-ce qui arrive aux mignons? Ils veulent ajouter du détergent à sa préparation. Le docteur Spooky a failli les avoir. Et c'est reparti. Non, non. Vite, c'est à vous. Allons embêter un peu le docteur Spooky. C'est ça. Il y a quelque chose qui cloche. Un bon bain de Slim. Il va devoir tout nettoyer de fond en comble. C'est l'anniversaire de grand-mère Granny. Allez, Granny, fais un vœu.
Waouh! Regardez tous ces cadeaux. Allez, maintenant il faut les ouvrir. Une poupée? Mince, Monkey, on dirait que ça ne plaît pas beaucoup à grand-mère. À ton tour, Raccoon. Voyons ce qu'il y a dans cette boîte. Attends une minute, est-ce que c'est une trottinette? Raccoon, il fallait trouver un cadeau pour Granny, pas pour toi. Ne t'inquiète pas, Granny. Tu en as encore quelques-uns à ouvrir. Ouvre celui de Kit. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Quoi? Une console de jeu? Et Kit ne l'a même pas laissé l'essayer. Aucun d'entre eux n'a pensé à ce qui plairait vraiment à Granny. C'est très égoïste. Oh, Granny. Une minute. Cathy ne t'a pas encore donné son cadeau. C'est superbe, Cathy. Tu es l'ami dont tout le monde rêve. Et les autres ont appris la leçon. Le plus beau cadeau, c'est celui qui vient du cœur. Bienvenue de nouveau au concours de talent du Dr. Spooky, avec votre très cher jury, les implacables Spookers. À présent, le Dr. Spooky se mettra derrière ce rideau et il se transformera en une personne complètement différente. Oh non! Le côté obscur a fait son entrée sur scène. Regardez le superbe costume de ce guerrier du côté obscur de la force. Superbe ce pantalon moulant et cette élégante cape. Son style est incomparable. Quelle formidable exécution de la position du burrito au poulet! Le Dr. Spooky s'est relevé et maintenant, il tousse. Il tousse pas mal. Il tousse beaucoup. Être méchant, ce n'est pas tous les jours facile. Tout doux, Dr. Spooky, calme-toi. Voilà, c'est fini, c'est ça. Tu t'attendais vraiment à de meilleures notes? Waouh! Inutile d'avoir un moyen de locomotion quand on peut utiliser la force. Il va falloir essayer avec un autre déguisement. Mon Dieu. Chers amis, avec nous ce soir, la Reine des Neiges. Une chorégraphie digne d'une crise cardiaque. Le drame, une interprétation réaliste et même un bonhomme de neige. Tout y est, c'est un sans faute. Oh non, Dr. Spooky, tu n'oseras pas. Je t'en supplie, non pitié, pas se porter. Ha ha! Tu es resté de glace! Allez, essaye encore! Le Dr. Spooky cherche un moyen d'impressionner le jury. Mais il n'a rien trouvé. Quoi? 3-10? Les Spookers t'adorent tel que tu es! Bonjour Kangoo, que vas-tu nous apprendre aujourd'hui? Les couleurs des personnages de conte. Super! Quelle couleur y a-t-il sur ta palette? Rose? Bleu? Vert? Blanc? Et jaune? Maintenant, voyons ce qu'on va peindre aujourd'hui. Les petites sirènes. La reine des neiges. Et les trois petits cochons. C'est aussi mon conte préféré, Kangoo. C'est l'heure de peindre.
De quelle couleur est la queue de la sirène? C'est ça, verte. Maintenant, il faut peindre la Reine des Neiges. Très bien, Kangou. La robe de la Reine des Neiges est bleue et blanche. Cette fille adore le froid. Il ne nous reste plus que les trois petits cochons. Et nous savons tous de quelle couleur ils sont, n'est-ce pas? Bien sûr, rose. Que se passe-t-il, Kangou? Tu ne trouves pas le rose? Reprenons les couleurs de ta palette. Rose, bleu, vert, blanc et jaune. Mais c'est vrai, il n'y a pas de rose. Oh, comment on fait maintenant? À quoi penses-tu, Kangou? Je vois, Kangou. Tu vas mélanger des couleurs pour obtenir du rose. Si tu mélanges du blanc et du rouge, tu obtiens du rose. J'adore, Kangou. Voilà. Rendez-vous au prochain cours de peinture. Salut les enfants. Je crois que quelqu'un a faim. Ce n'est pas encore l'heure du repas. Et si on prenait un goûter? De quoi as-tu envie, Kangou? D'une pomme, d'une banane ou peut-être de fraises? Ou encore mieux, un mélange de tous ces fruits. Les enfants, et donc Cathy, Kangou et Granny, a trouvé 5 fruits dans la cuisine. Je crois que j'ai trouvé des pommes. Vous les voyez? Il ne me reste plus qu'un fruit à trouver. Dépêchez-vous, le temps s'écoule. Voilà les pommes, les fraises, les pois, les bananes et les oranges. Génial! Bravo les enfants! C'est l'heure du jus. Oh, attendez, nous n'avons pas de mixeur. Que peut-on faire? Les enfants, une idée? Merci, Kangou. Grâce à toi et aux enfants, on va déguster un délicieux jus de fruits. Les enfants, vous êtes prêts à prendre un bain? Du shampoing, shampoing, tu dois mettre du shampoing. Oui, 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 je dois mettre du shampoing. Bien, bien, le shampoing est bon pour toi. Ouais, 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 j'aime bien ça. Shampoing, le tout, le tout, le tout, du shampoing, le tout, le tout, le tout, du shampoing, le tout, le tout, le tout, du shampoing. Frotte-toi bien, le tout, le tout, le tout, frotte-toi bien, le tout, le tout, le tout, frotte-toi bien, le tout, le tout, le tout, frotte-toi bien. Du gel, tu dois mettre du gel. Oui, 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 je dois mettre du gel. Bien, bien. Le gel est bon pour toi. Ouais, 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 j'aime bien ça. Du gel douche, tu tu du du tu du. Du gel douche, tu tu du du tu du. Du gel douche, tu tu du du tu du. Du gel douche. Frotte-toi bien, le tu du du tu du. Frotte-toi bien, le tu du du tu du. Frotte-toi bien, le tu du du tu du. Frotte-toi bien.
Serviette, serviette, tu dois prendre une serviette. Oui, 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 je dois prendre une serviette. Bien, bien, la serviette est bonne pour toi. Ouais, 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 j'aime bien ça. Une serviette, tu 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 tu, une serviette, tu 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 tu, une serviette, tu 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 tu, une serviette. Sèche-toi bien le tu-du-du-du-du, sèche-toi bien le tu-du-du-du-du, sèche-toi bien le tu-du-du-du-du, sèche-toi bien.